Bonjour à tous, c'est The Ben Big. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur le serveur Scorchaders de Player France. Et aujourd'hui, les gars, je vais vous présenter un peu où on en est de notre base parce qu'on a un peu avancé du coup. On a fait un deuxième étage, voilà, pour les forges, pour séparer un peu et pour pouvoir faire cuire du métal. Parce qu'on commence à avancer et on dispose d'assez de ressources en fait pour faire l'électricité. Pas encore les éoliennes, mais on va tenter. Mais là, je vais pouvoir poser l'électricité. Ce que je vais faire, c'est que je vais la poser. Je vais la mettre d'ailleurs. Pourquoi pas là? Voilà. On va la mettre là. Voilà, on a un générateur. Hop, on va poser ça là. Ça, on aura au moins le premier courant électrique qui sera actif. Hop, et voilà. Là, vous pouvez voir que ça marche nickel. Donc voilà, on a fait un petit étage pour les forges et pour l'électricité, pour aussi agrandir parce qu'en bas on commence à être un peu à l'étroit. Donc le Fabri, il en est où? Là j'avais fait des électroniques. Ah ouais, une oil pompe, une pompe à huile. Mais ça, on n'a pas de, on n'a pas de zone à huile, je crois. Et une éolienne, ça faut en faire une. Faut en faire. Du coup, on a un peu ric-rac au niveau des ressources. Pas beaucoup de ciment, pas beaucoup de métal. On pourrait faire des tourelles auto aussi aujourd'hui. Un peu compliqué je pense. Mais bon, on va quand même tenter de faire une éolienne. Comme ça au moins on verra ce que c'est. On verra comment ça marche. Hop. Alors, petite éolienne. Ah, du coup je pense qu'il va falloir la poser sur le toit. Je vais aller avec un aigle. Parce que oui, du coup maintenant il y a les aigles, c'est génial. Hop. Ah, la tempête s'est arrêtée. Monter dessus. Ah oui, il y avait Rasta. Oh. Hop. La taille du truc. Oh. Ok, très bien. Donc du coup, ça, si on pose là, ça va faire de l'électricité. À ce qui paraît. Boum. Tourne, c'est génial. Wind turbine. Du coup, faudra voir comment ça marche aussi. S'il faut que je le relie avec des câbles électriques, je pense. Pas de stats si c'est rempli ou je sais pas. Ou c'est peut-être juste pendant les tempêtes que ça va servir. C'est stylé. J'aime beaucoup. De l'aigle. Nice. Ah oui, donc je vais vous présenter un peu ce qu'on a. On a eu un nouveau petit papillon. D'ailleurs, je crois que j'en avais tamé un autre. Regardez, le petit papillon. Quand il attaque, il lâche un peu de poison. Donc voilà, on en a tamé deux normalement. L'autre, je l'ai oublié. Par contre, ses stats, il a pas beaucoup de vie, pas beaucoup de stam, pas beaucoup de poids. Mais il se déplace plutôt bien, donc agréable. On avait laissé un là tout à l'heure. Je sais pas s'il y est toujours. Ouais, donc il a disparu. Dommage, il était un peu plus haut niveau que celui-là. Il avait été relou à tomber. Mais bon. À moins que ce soit ça qui l'ait buté. On va rentrer vers là. Oh, il y a un Rex. Faut que je rejoigne les autres. Sound resume. Les gars, il y a un Rex à côté de la base. Nice. Non, mais un. Monter. Monter? Ouais. Ah, c'est moins nice. À côté de notre base. Salut. Salut. Qui est? Et les gars. Salut, salut. Ah, vous savez pas où on peut avoir du cristal? Pas trop. Ah, c'est chaud, je pense qu'il faut trouver des grosses montagnes, mais ici j'en ai pas vu. Ouais, parce que nous on est en galère, on trouve pas de cristal quoi. Je pense vers le nord de la map, y'en a. Ouais. Il faut aller en oiseau, non? Ouais, je pense. Les level 7 sont Rex, ils vont rien.
Ah, mais à votre avis, avec l'éolienne au-dessus de notre base, est-ce qu'ils pensent qu'on se fout de sa gueule? Alors, est-ce que Non. les émotes, vous avez une toile, Comment? Comment? Bah non, toujours pas, on a trouvé un aigle plutôt au lever. Sound muted. Du coup, les gars, on va continuer ici. On va les laisser parler avec le mec qui apparemment ne veut pas de mal, donc ça va. Donc, du coup, ouais, on avait farmé pas mal de métal pour donc continuer un peu notre avancée au niveau de l'électricité, tout ça. Et voilà, regardez ça, les gars. Bon, je vais en laisser un peu aux autres. On a essayé de le tamer au boomerang et il est mort. On les entend toujours sur le jeu, c'est vrai. Regardez ça, ce qu'on peut faire. Des flèches enflammées. Il faut du proplant. Donc le proplant, ça se fait avec du sulfure et du cactus et de l'huile. Et le sulfure, ça se trouve aussi en montagne, comme le cristal. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. On va pouvoir faire des flèches enflammées. Putain, on va voir comment ça fait. Est-ce qu'on les voit les flammes? Ah ouais. Je vais lui faire peur. Non, c'est trop stylé. Et du coup, voilà aussi ce que je voulais vous montrer. Ouh, il se tape là-bas. Ouais, bon, ça va. C'est les plantes Y. Alors voilà ce que ça fait. Bon, je trouve ça super stylé, par contre, au niveau du graphisme, du design de la plante. Et on va vous montrer donc à quoi servent. Ça fait des petites graines, en fait. Les plantes species Y-trap. Donc trap piège. Et donc, ça sert à immobiliser lorsqu'un mec marche dessus. Donc, par exemple, on peut en mettre là. Hop, ça rentre dans le sol. Là, là. En fait, ça faut les spammer comme ça. Et là, vous voyez, c'est hyper discret. Et faut savoir que c'est. Après, c'est pas mal, mais c'est pas hyper ouf parce qu'il faut souvent le faire. Parce qu'en fait, il y a une durée de vie sur ces plantes. Et ça dure, je sais pas, à peu près, je dirais une demi-heure chaque plante. Maximum. Une demi-heure maximum. Et après, elles disparaissent. Donc voilà en gros ce qu'il faut faire. Il y en a une autre qui pousse là. C'est qu'il faut en faire tout le temps si on veut vraiment les utiliser, quoi. Donc voilà ce qu'il y avait déjà. Donc notre petite base qui a pas mal avancé. Faut aussi qu'on augmente notre enclos. Donc ça je pense qu'on va le faire hors caméra parce que comme d'habitude c'est du farm hein, comme on a fait le deuxième étage et la récolte du cristal jusqu'à maintenant. Mais voilà, du coup on va continuer à faire ça. Je vais essayer de vous prendre au mieux des petits passages PVP lorsque cela se passera. Et on va continuer un peu tout ça hors caméra et je pense de faire une petite ellipse dès maintenant. Et on se retrouve très vite pour la suite de la vidéo pour des moments beaucoup plus agréables et intéressants que maintenant et le farming. Allez les gars, à tout de suite. Ah, une maison. Non, justement, lui, c'est nul. Regarde, il y a un joueur, là. Il est en train de time maintenant en kilo. Vas-y, on le time. On s'en fout les couilles. Attends, je vais le bolas, il va se faire défoncer. Vas-y, vas-y, vas-y. Cachez-vous, cachez-vous. Il est mort. Ah, oh, il s'enfuit, il est en kilo. Non. Je vais aller voir son nom, je vais me coller à lui. Je crois qu'il dort. Ouais, il dort. Oh putain. Ah, sa petite merde qui t'aggro. C'est bon, on s'est endormi. Merde, je vais tuer. Oh, t'es une pute. Mais non, j'ai vu une flèche, il dormait déjà. Oh, c'est Steph HD, il est inconscient. Attends, il a l'air gentil. Restez doux, les gars. Il y a l'ankylo, il volait pas son stuff, volait pas son stuff. Il y a l'ankylo. Ah ouais. Ah, mais il l'aggro pas. Oh, il fait trop baliser. Oh, le pauvre, les gars, il avait 17. Y'a pas quelqu'un qui veut faire un caca? Je veux le poop kill. Non, non. Attends, vas-y, putain, on laisse, on vas-y, vas-y, on fait ça. Laissez-le, on se part. Allez, on va en chercher d'autres, on va s'amuser. Voilà, c'est bon, Luthor. Ah, nice. Le mec. Ah non, il se fait taper. Ah, y a encore un pet. Oh, mais il attaque. What the fuck. Regardez, regardez ce bug. Regardez, il est en train de dormir. Il attaque. Si je m'approche. Ah non. Wow. Eh hey, les gars, il a bientôt plus de stamina. De torpor. Remets-lui une flèche. Non, je vais lui mettre un coup de broubang. Vas-y. Je suis en blocage. On l'a eu. On t'a, virus. Alors comme ça on tue les petits nouveaux. Alors comme ça on tue les petits nouveaux. Y'a son truc ici. Endormez-le son pet. Ne le tuez pas.
Rappelez-moi plus ou moins les coordonnées. Le tuez pas. Les gars, fuyez. Et pourquoi il dort, il attaque ce truc? Mais oui, c'est pour ça, je vous dis, il est bugué. C'est quoi ça? Attendez, laissez-le faire. Venez, on va vers les aigles. Ben, faut que t'enregistres. Mais mec, ça c'est filmé, sache-le. Regardez-moi ça. Les gars, le joueur il s'est relevé. C'est pas grave, le tue pas. Le tuez pas, les gars, lui faites rien. Non, arrêtez, le pauvre. Les gars, on l'a déjà endormi. T'as dit quoi? T'es trop fort, mec. Bah, fais gaffe, y'a son truc qui le traîne. Oh là là. Regarde. C'est incroyable ce bug. Faut faire une cage, les gars, faut faire une cage. Non, laissez-le, le pauvre. Oh. Mais tuez-le surtout. Ouais. Chez lui, il a son dino et tout. Toi, t'avais rien, on lui a donné une petite leçon, tu vois, genre. Franchement, il mérite. Hein. Le mec, il avait pas l'air méchant. On te lève un peu. Il avait pas l'air gentil quand je l'ai croisé non plus. On va faire un truc. non, attendez. Vite, marsupilami à l'envers. Non. Supilami. Arrête. Les deux en même temps, c'est... Ah putain, j'ai plus de sève. On m'appelle le dresseur. Le pêcheur fou. Le dresseur fou. Ouais. J'ai. À moi. On va pas y avoir de poisson là-bas, moi, faut que je rejette. Non, c'est bon là, les gars. Attends, on est bien. On va croiser les jets. On va croiser les jets. Ah, ça marche pas, ça lance devant moi, c'est con ce truc. Et oh. Tu surveilles ton langage, hein. Sinon, tu sais ce qui t'attend. Non. Arrête. Ça gâche de la sève. Le bruit du... Ah ouais, ça gâche la sève. Et j'ai rien fait, hein. Le bruit du fouet, par contre, il est trop stylé. Ouais. Ouais. Ça fait genre avancer ça... les dinos, les gars. Ouais, je sais. Ça met en panique tout le monde, surtout. Ouais. Grave, t'entends un bruit de fouet. Gachou, attaque Fatal Flute. Fatal Flute, ouais. Fatal Flute. Eh, attaque Fatal Flute, là. Ah ouais, hein. Allez, c'est quand je vais attraper mon premier poisson. Je partirai pas tant que j'ai pas mon premier poisson. Il y en a un, il est là, il est en aiglé. Regarde. Moi, j'entends tellement parler que je viens faire une photo parce que. Il y a un coffre juste. Ah, il est venu en aigle prendre sa petite photo. Oh. Si.